Cette nouvelle soirée Mariée au premier regard, diffusée ce lundi 1er mai sur M6, a été riche en rebondissements. Après l'intervention surprise de Bullet lors du mariage de sa fille Estelle avec Maximilien, un autre coup de théâtre a donné quelques sueurs froides aux téléspectateurs. En effet, la rencontre entre Laura et Mathieu est compromise. Alors qu'elle vient de choisir sa robe de mariée, la jeune femme de 26 ans doit faire face à une épreuve inattendue. Un imprévu qui chamboule la suite de l'aventure, deux semaines avant de s'envoler pour Gibraltar. Face à cette situation inédite, l'expert Gilbert Boujaoudé a tenu à annoncer en personne la nouvelle à Anthony. Un moment qu'appréhendait tout particulièrement le complice d'Estelle Dossin. C'est vraiment le genre d'annonce très délicate qu'on aimerait n'avoir jamais à faire, a avoué le médecin sexologue. Avant de poursuivre, j'espère qu'Anthony va trouver les ressources nécessaires en lui pour affronter et dépasser ce que je vais lui dire. Je vais en tout cas faire tout mon possible pour l'aider. Une fois arrivé au domicile de ce restaurateur montpelliérain, Gilbert Boujaoudé n'a pas voulu faire durer le suspense plus longtemps. Je suis venu car j'ai une annonce particulière à vous faire. Anthony, votre mariage ne pourra pas avoir lieu à la date prévue, a-t-il déclaré en préambule. Dès lors, l'expert lui a tendu une lettre écrite par Laura dans laquelle elle lui explique les raisons de cette décision. Je sais que pour elle, chaque mot et chaque phrase qu'elle a mis dedans, elle y tient beaucoup à cœur. Elle voulait absolument que je puisse vous la transmettre. Difficile pour Anthony de cacher ses angoisses tant son cœur bat à 2000. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Et j'ai peur parce que toute la suite de l'expérience ne tient qu'à cette lettre au final. J'ai peur de l'ouvrir et d'être déçu en fait. A-t-il confié à Gilbert Boujaoudé très angoissé. Quel événement a engendré un tel chamboulement? La suite au prochain épisode. Supérieur à supérieur à Marié au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats Laura, Marié au premier regard, cache sur son passé amoureux douloureux si Anthony attend énormément de son expérience dans Marié au premier regard, il en est de même pour Laura. Dans son portrait, dévoilé le 24 avril dernier sur M6, la jeune femme de 26 ans a fait quelques confidences sur ses expériences passées. J'ai dépensé beaucoup d'énergie précédemment, dans mes anciennes relations, et que j'y ai laissé des plumes, a-t-elle raconté dans une séquence relayée par nos confrères de télé-loisirs. J'attire que les mauvaises personnes, si y est-il une catastrophe. Quand un homme me plaît, soit il est en couple, soit j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément d'intérêt pour moi ou que je ne lui plais pas. Donc ça marche jamais, a-t-elle déploré. Par le passé, Laura a déjà eu le cœur brisé par un homme, comme elle l'a raconté face aux caméras de M6. Je suis tombée de très très haut, je me suis sentie trahie, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée, j'ai morflé vraiment, a-t-elle assuré. Malgré ses déboires sentimentaux, cette passionnée de sport n'a pas perdu foi en l'amour. Pour Laura, l'expérience Mariée au premier regard est avant tout une chance. Crédit photo, Julien Teuil M6. I think you